Bien, salut les amis, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft PC, donc la première de la chaîne. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir, moi en tout cas ça me fait déjà plaisir. Donc du coup, on se retrouve sur du Minecraft PC pour du cache-cache, mieux connu sous le nom de HiveMC sur le serveur de HiveMC. Donc c'est assez facile à reconnaître, si vous connaissez un nom, vous connaissez l'autre. Mais donc du coup, donc le but de ce cache-cache, c'est que l'on ait un bloc et donc du coup on va devoir se cacher sur une map donnée et il y aura des personnes qui vont nous chercher et chaque personne trouverait tout simplement deviendra une personne qui devra chercher. Donc du coup n'hésitez pas à donner des astuces, des serveurs, des modes, des no modes, des maps sur lesquelles je pourrais aller, ça m'aiderait énormément et j'espère que ça vous plaira parce que ça me prend et du temps mais j'espère vraiment que ça vous plaît. Donc là je vais choisir mon bloc, on a le choix entre tous ces blocs. Je pense que je vais prendre l'enclume parce que c'est moyennement dur pour se cacher, ce ne l'est pas trop. Donc voilà, donc je serai caché en tant qu'enclume pour cette première partie. Donc on a quand même fait une pour voir si c'était bien. Et donc du coup, on commence sur la map sans plus attendre. Et donc du coup, on est parti. Je vais essayer de me cacher parmi les enclumes. Donc on suit bien une. Donc j'ai également mis un pack de textures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc du coup n'oubliez pas que je vois tous vos commentaires. Même si je réponds pas, je les vois. Mais c'est nul ici. Je suis venu parce que j'ai vu notre enclume, mais bon. D'accord, donc le seeker a été lancé. Le premier seeker arrache kit. Parce qu'on a vu qu'il y avait 23 personnes qui se cachaient et un seeker. Et d'un seul coup, il y a eu 22 et un seul seeker. Donc, le seeker arrache kit a été remplacé par quelqu'un d'autre. Parce que lorsque un seeker tout simplement rage kit, il est remplacé par quelqu'un qui se cache. Et comme ça, il y a toujours quelqu'un pour nous chercher. Donc là, je fais un suicide chip. Donc le principe est très simple, ça envoie un bouton qui vole et qui explose. Donc du coup, c'est assez risqué. Et donc du coup, si vous en voulez d'autres, bien sûr, pour la prochaine vidéo, il faudra 3 likes pour les vidéos cache-cache. Et tous les 3 likes, je ferai un suicide chip. Bon, là, il n'y a pas trop de monde, mais j'essaierai de les faire de plus en plus près des seekers. Il faut encore que j'attende 7 secondes avant de pouvoir taunt. Ah, donc on a eu une épée. Donc les épées, ça nous sert simplement à nous défendre. Donc là, on peut voir qu'il y a différents types de taunt, des taunts sonores et des taunts visuels. Donc je suis désolé si vous pouvez pas entendre, c'est pour des raisons techniques. Mais bon. A few moments later. Bon, c'est parce que je m'ennuie, mais bon, ça fait 3 suicide chips que je fais et je lance au moins 20 feux d'artifice. Mais il y a toujours personne qui vient me trouver. Bon, je change un petit peu. Je sais plus quoi prendre. Bon, allez, un petit effet sonore. Les amènera peut-être à moi. Enfin, surtout, ça l'amènera peut-être. Parce que j'arrête pas de m'amuser. Je peux rien faire, je bouge pas, je fais des petits effets. Je m'amuse. Mais bon, à un moment, c'est bien qu'il y ait un petit peu d'action. Parce que il reste plus que 2 minutes. Et le seeker n'est toujours pas venu me chercher. Mais bon, faut savoir qu'il y a eu 2 ou 3 changements de seeker entre temps. On l'a vu passer tranquillement sur notre gauche. Là, par contre, quelqu'un vient de se faire tuer et je suis dans le spawn, donc ça craint légèrement. Bon, il est rachid, donc j'aurais pu finalement rester. Non, il est revenu. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui s'est fait tuer. Bon, je ne suis plus à l'abri. Vite, retour à la base, retour à la base. La base n'est pas ici. Là, je répète, la base n'est pas ici. Retournons à la base. La base est ici. Passons par là. Voilà, hop là, je suis caché, vous ne pouvez plus me trouver, ce qui est extrêmement faux. Donc je vous explique pourquoi je suis là, c'est parce qu'on pense rarement à lever la tête et donc du coup ici, je me sens légèrement mieux à l'abri. Bon, même si c'est archi faux, à un moment l'écran il va venir, il va lever la tête et je vais me faire tuer. Et là vous ferez, c'est bien fait. Il fallait pas se mettre ici, il fallait se mettre dans un vrai endroit, là où une enclume peut se cacher. Et je vous dirai, trouvez-moi-en.
Par contre, je sais pas ce qu'il fait celui qu'on a vu. Ils sont sous le... Non, ceux qui remplissent le chat. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et descend. Il y a quelqu'un en haut d'une échelle. Je ne sais pas. Mais bon. Oula, il a l'air d'être vachement attentif celui-là. Ça me plaît pas trop. Il reste plus que 30 secondes, s'il vous plaît. Laissez-moi gagner. S'il vous plaît. Je vous ai rien fait en plus. Il m'a vu. Laissez-moi me sauver, s'il vous plaît. Non. Eh ben, je suis mort. Non, ça fait plaisir. À une seconde de la fin en plus. Bon, je vous retrouve pour la prochaine partie. Eh bien, ouais, les amis, donc du coup, on se retrouve pour la deuxième partie, la dernière. Donc, du coup, je suis sur une nouvelle map et j'ai choisi un beacon pour changer un petit peu parce que je n'allais pas reprendre encore une fois une enclume. Je ne peux pas me cacher ici. Ici, c'est nul. Parce qu'il faut savoir que je peux pas me cacher n'importe où parce que les beacons émettent de la lumière. Donc, si je me mets dans l'ombre, autant dire que je vais me faire tout de suite trouver. Mais bon. Voilà. Je suis plutôt pas mal caché. Désolé pour le petit trouble. Petit suicide chip. Voilà. Comme ça, c'est fait. Le plafond est bien bas ici. Bah, il faut que j'attende avant de pouvoir retenter. À part ça, rien à dire. À part qu'ils ont fait des petites animations 3D, ça fait quelques petites choses en plus, on l'a vu. Donc ici, on sait que si on meurt, il y a une enclume. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc du coup, il est en bas. Il faut savoir qu'il y a encore des sous-sols. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est bête, il a fait un feu d'artifice à côté du seeker. Ah bah, il passe en bas, bien fait. Bizarrement, tu remontes, hein. Donc, il y a un sous-sol encore, il y a l'étage là où je suis, et il y a encore un étage au-dessus de moi. Donc du coup, si ben, tout simplement un seeker vient pour me tuer, et ben je peux facilement m'évader par n'importe quel étage. Bon. Je vois plein de personnes qui passent. Bon, on a reçu notre petite épée. Comme ça, on pourra un minimum se défendre. Sachant que nos épées n'ont pas tranchant, mais elles ont knockback et elles sont en bois. Donc autant vous dire que les seekers qui eux ont une épée en diams avec tout, également recul, ça fait pas le même effet. Bon, ben je vais continuer à essayer de, bah, de les attirer quand même pour qu'il y ait un minimum de challenge. Bon. Cette aile, d'accord, il y a un bloc qui vient de passer en courant. Oh, ça sent pas bon pour moi. Oui, occupe-toi de l'enclume. Au revoir, hein. Tu m'enverras un message, hein. Une lettre, carte postale, comme tu veux. Bon. Un petit peu de concentration. Ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a pas grand-chose, on va essayer de les attirer. Je vous aime. Je vous aime tous autant que vous êtes. Bon. Où sont-ils? Ils sont pas bons. Bon, j'en profite également pour tester quelques petits effets pour voir un petit peu. Oula, désolé. Pour voir un petit peu, ben, tout simplement, les effets différents que on peut obtenir. Je vais me faire tuer. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Il suffit que je le dise. Bon, du coup, on est seeker. Il reste encore 1 minute 45 au compteur pour trouver 4 enclumes, un escalier en quartz et un bloc de prismarine. Donc, du coup, mission recherche abordée. Donc, du coup, il y a aussi des planches en bois. Et donc, du coup, ben, je vais chercher un maximum. Sachant que l'on garde notre taille, donc une hauteur au minimum de 2 hauteurs pour une cachette. Sachant qu'ils ne peuvent pas se mettre sur les tapis. Et tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai déjà fait le tour. Bon. Ben, j'ai essayé de les trouver. Il y a plein de monde. Ah, bah, ici, il y a une enclume. Merci. Ah, bah, c'est moi qui ai eu le kill. Il reste plus qu'un escalier. Allez, faut le trouver. Il reste 50 secondes, allez. Faut trouver, il reste plus qu'un escalier. Geronimo. Bon.
Petit coin sombre, explorer. Y aurait-il quelqu'un par ici? Y aurait-il un petit escalier? C'est trop bien ici, j'aurais dû venir. Ah, j'aurais pris une enclume, je serais venu ici, j'aurais été refait. Bon, il n'est pas là. Allez, cherchez les escaliers, tapez-les tous. Tapez tous les escaliers. Allez, il faut l'avoir. On est quand même 17 pour une seule personne, il reste 20 secondes. Allez. Allez, on peut le faire. C'est faisable. Allez, 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 allez. Trouver une personne en 10 secondes à 17, on aurait pu largement le faire. Mais bon, il doit être drôlement bien planqué. Allez, 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 bon, c'est foutu. GG, ben, je sais pas là où il était, mais c'est drôlement bien caché. Eh bien, écoutez, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Vos commentaires seront vraiment très importants pour cette vidéo. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Moi, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a extrêmement plu. Et en tout cas, je vous dis à plus, les amis.